Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de SketchUp, nous allons voir le numéro 25 qui portera sur les styles. Une fois votre modèle terminé ainsi que la mise en place des couleurs et des matériaux, il vous reste plusieurs choix. Vous pouvez faire un rendu réaliste en utilisant le module Tree Render ou alors utiliser la fenêtre des styles afin de créer un rendu différent de votre objet. Dans notre cas, ça sera un bâtiment à taille réelle où l'on s'amusera à appliquer différents styles. Donc sans plus attendre, regardons cela dans SketchUp. Donc nous voici dans SketchUp. Comme je vous disais, on, va, on a un style différent que j'ai fait en sorte de vous mettre en place. Pour accéder à la fenêtre style, il suffira d'aller ici dans fenêtre et vous allez trouver ce qui s'appelle style. Voilà. Par défaut, vous avez ce style-là. Je vais vous montrer. Donc il s'appelle normalement couleur par défaut. Voilà. Là, vous voyez, on a un style complètement différent. Alors vous l'aurez compris, la feuille des styles va permettre en fin de compte de modifier les couleurs du bâtiment, enfin les couleurs de tous vos matériaux en fin de compte. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez pouvoir aussi modifier la largeur de vos tracés, à la fois au niveau de votre profil, votre arête. Tout à l'heure je vous ferai un petit cours afin de vous expliquer ce que c'est qu'un profil et une arête. Mais continuons. Donc ici vous voyez dans le modèle, je vous ai préparé différents éléments. Je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil ici et vous amuser à les ajouter. Donc, au début, sans rien modifier, afin de voir ce que vous pouvez faire. Vous allez voir, on peut faire des styles assez sympathiques. Vous voyez, par exemple, si je clique ici, on va modifier. Bon, euh, on va dire le, le sol. On va pouvoir modifier. Euh, vous voyez, là, c'était la salle de départ que j'avais. Enfin, il y en a, il y en a plein. Hein. Je n'ai préparé quelques-unes, mais il y en a vraiment pas mal. Hein. Vous pouvez vous amuser. Euh, imaginons, vous voulez un style tout simplement, on va dire, euh, des croquis donc là vous allez vous voyez, on va en cliquant ici automatiquement on aura un croquis très intéressant quand vous voulez présenter quelque chose de très épuré euh, sans qu'on voit les couleurs sans qu'on voit euh... bon là il y a les arbres c'est vrai que ça fait un peu bizarre mais dans le cas d'un bâtiment souvent des architectes aiment bien avoir quelque chose de très simpliste qu'on appelle un croquis et pour ça vous avez des trucs très intéressants vous voyez on a des on peut alors là je vous laisserai vous amuser vous pouvez choisir autant d'informations que vous voulez Quoi qu'il en soit, imaginons que vous avez quelque chose qui vous plaît, vous dites oui, très bien, j on va prendre celui-là par exemple. Très bien, mais je voudrais changer un petit peu. Ben, ici, dans Édition, vous allez pouvoir changer énormément d'informations. Alors là, je vais vous montrer quelques-uns, mais on ne va pas tous les faire, bien évidemment. Vous voyez, on peut par exemple ici cliquer sur Arrête et on aura quelque chose de différent qui va s'afficher. Euh, si je prends, alors euh, on va cliquer ici au niveau des couleurs, la couleur du recto ou du verso. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir en mode couleur pour que vous puissiez bien voir, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc on va prendre par exemple couleur par défaut 1 et on va aller dans édition. Ici vous allez pouvoir modifier différentes informations intéressantes. Par exemple le profil. Alors, le profil, vous avez vu de suite, vous avez une espèce de trait gros, un gros trait noir qui s'est se, qui affiché. Alors la différence entre un profil et une arête, une arête, bah, vous voyez par exemple ça va être ici. Je vous l'ai mis en rouge pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Et un profil, ça va être une arête mais fermée. C'est-à-dire que vous voyez, ça va faire tout le tour du bâtiment, tout simplement. Donc ici, on peut le décocher, on peut changer euh, l'épaisseur. Alors je vais mettre 6, Vous allez voir, c'est énorme là cette fois-ci. Vous voyez, ça fait quelque chose de très gros. Donc là, on le décoche pour pas que ça fasse. Euh... Donc arête avec effet de profondeur. Donc là aussi, vous pouvez faire quelque chose. Vous allez pouvoir vraiment jouer avec euh, pas mal d'options très intéressantes. On aura les arêtes prolongées, les extrémités. Alors, les extrémités, ça va vous faire, vous voyez, comme des petits, euh, des petits crochets. Ça peut être intéressant pour les architectes. Donc vous aurez aussi arrêt de flou, enfin a ainsi de suite. Hein. Euh, si on continue ici, vous avez la couleur du recto. Alors là, je vais zoomer un peu pour vous si bien comprendre de quoi on parle. Donc ici, vous voyez, on a une couleur blanche et une couleur grise. Imaginons, je vais mettre une couleur, donc je vais dans les, les gammes des couleurs, et je vais prendre par exemple un bleu. Bon bah là, non, bleu c'est pas beau, on va dire orange, voilà. Donc là, j'ai maintenant toutes mes faces, donc recto qui vont être en orange, et ici je voudrais du rouge. C'est très moche, hein, je vous l'accorde. Et vous voyez, à l'intérieur, vous avez du rouge. Donc ce qu'on appelle là, vous pouvez pouvoir modifier à la fois les couleurs du recto et à la fois les couleurs du verso. Quelque chose de très intéressant ici que vous retrouvez ici, vous allez pouvoir modifier votre bâtiment. C'est-à-dire que quand vous, quand vous êtes en train de créer votre modèle, donc si vous voulez, c'est tout simplement un duplicate qui apparaît ici. Vous allez pouvoir par exemple rendre votre modèle transparent. Donc très intéressant. Alors ici vous avez la qualité de transparence. Donc là c'est plutôt une, une option supplémentaire par rapport à cette petite fenêtre. Vous pouvez vers moyenne, meilleure et ainsi de suite. Là aussi je vous laisserai jouer avec. Vous pouvez faire en sorte. Vous pouvez faire en sorte. Donc là on va remettre en normal. Alors certains boutons vous vous apercevrez que vous êtes obligé de repasser par celui-ci qui s'appelle ombre avec texturé ou alors tout simplement ombré. Mais certains boutons, vous verrez, on peut pas le cocher, le décocher. Si je prends par exemple arête arrière, on voit bien les arêtes qui apparaissent en pointillés. Parfait, je peux me remettre en normal. Donc ces deux-là, pas de problème. Le troisième, vous allez voir, là on est en mode filaire, si je dis pas de bêtises. Voilà, on est en mode filaire, mais si on rappuie dessus, ça ne fonctionne pas. Il faut repasser en mode ombré, par exemple, ou ombré texturé, tout simplement. Donc vous voyez, on a ici après ligne cachée, alors là ça vous met en blanc votre bâtiment, euh, on va se remettre en ombré. Ici vous l'aurez compris, vous avez ombré ou ombré avec texture. Alors là c'est très intéressant, ça dépendra de la puissance de votre machine. Donc quand vraiment vous avez un modèle assez gourmand, comme par exemple moi quand j'avais fait la, la, la salle d'escalade à la culture rock, c'était vraiment euh, assez volumineux, j'avais besoin de, de temps en temps de virer les textures ou de virer tout simplement les couleurs. Donc j'étais en monochrome, donc là vous pouvez cliquer ici, c'est le dernier. Et ça vous permet d'avoir votre bâtiment. Ben là, comme c'était orange, ben vous êtes tout en orange, tout simplement. Et c'est marqué ici. On est en monochrome. Si on continue, on va se remettre en mode ombré et texture, comme ma mécanique me permet. Donc là, je vais faire en sorte de me remettre. Alors, on va mettre une couleur, par exemple, grise. Et puis l'intérieur, on va mettre du blanc, par exemple. Voilà. Ça fera moins, moins moche. Si on continue ici, vous voyez, on a donc les arrière-plans. Alors, on va pouvoir modifier la couleur du ciel, la couleur du sol, montrer le sol par en dessous et ainsi de suite. Donc ici dans filigrane, on va cliquer sur le petit plus afin de l'ajouter, on va chercher le logo par exemple SketchUp, on va faire ouvrir et vous voyez on va pouvoir directement le mettre en arrière-plan ou en incrustation. Bon, nous on va le mettre en arrière-plan, ensuite vous faites suivant, alors là vous pouvez définir le nom si vous voulez, hein. vous faites suivant, on va laisser comme ça euh, soit le fusionner avec l'image ou le fusionner avec l'arrière-plan, vous voyez donc en fin compte ça va créer une espèce de transparence, on va le mettre euh, à moitié. Hein. On clique sur suivant, là vous pouvez l'étirer pour couper toute la fenêtre, vous pouvez le mettre en mosaïque, oui ça fait bien moche. Vous pouvez le positionner sur la fenêtre, donc ici vous pourrez enfin définir l'endroit où vous voulez qu'il soit, par exemple on va le mettre ici. Et vous cliquez sur terminer et vous avez maintenant votre filigrane qui apparaît. Vous pouvez cliquer dessus et le modifier si vous souhaitez changer les paramètres par rapport à tout à l'heure. Pour finir, le dernier icône que vous voyez ici, on va pouvoir changer les couleurs au niveau des sélections, le verrouillage, le guide. Les coupes, la section inactive ou active. Rappelez-vous, c'était dans leçon numéro 15 où j'expliquais les sections, comment ça fonctionne. On pourra aussi cocher la géométrie cachée. Ben là, en fin de compte, toutes ces informations que vous avez ici, vous les retrouvez dans l'affichage à cet endroit-là. Comme je vous disais souvent, dans SketchUp, on a pas mal d'informations redondantes. Et quelque chose de très intéressant, c'est ici, en fin de compte, vous allez pouvoir enregistrer la collection si vous souhaitez l'enregistrer. Imaginons, on va cliquer sur celui-ci. Voilà, donc j'ai pris en fin de compte le modèle euh, griffonnage sur papier sur panneau dur, pardon. Et ici vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc on va faire ici enregistrer la collection sous. Donc dans style perso. Et vous voyez ici j'ai créé un truc qui s'appelle griffonnage style. Donc je clique dessus, je l'enregistre, pardon, il me demande de remplacer, et on retrouve notre élément. C'est assez intéressant quand vous avez euh, créé un style qui vous convient, que vous voulez... Euh, que Vous les répercuter sur d'autres objets ou scènes que vous aurez créé, ça vous permettra de reprendre à l'identique le style que vous avez créé. Il ne faut pas oublier non plus que pour ceux qui utilisent la version pro, vous avez l'outil le, le, Style Builder, alors là qui va permettre de faire des trucs extraordinaires, vous allez pouvoir tout modifier élément par élément et c'est bien pour ça qu'il apparaît dans la version pro. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo, c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye